Nous sommes à Malioténam, dans une réserve indienne. Elle se ressemble tout ou presque. Des rues aux maisons cordées, une église, des tentes, des canots accrochés aux maisons, des cabanes de bois comme prolongement aux quatre murs, des enfants. Une langue différente, le montagnais. On les appelle montagnais. Eux se nomment Innut, équivalent d'homme, d'humain. On les appelle aussi amérindiens, amer pour Amérique. À cause d'une erreur historique de Jacques Cartier qui cherchait à se rendre en Asie, on les a confondus avec les Indiens de l'Inde. On les nomme aussi autochtones, car ils sont issus du sol même où ils habitent. Ce sont les premiers habitants de ce pays. Les Indiens d'autrefois n'avaient pas de livres comme aujourd'hui. On se transmettait l'histoire de bouche à oreille, de père en fils. Anciennement, il n'y avait rien d'écrit. Moi, j'ai peut-être oublié quelques vieilles histoires de tout ce que j'ai entendu. Ce que je sais maintenant, c'est parce qu'on me l'a raconté. C'est par l'écriture que le blanc conserve son histoire, alors que l'Indien, lui, c'est par la parole. Contrairement à l'histoire des Blancs qui fait appel à l'écriture, celle des Montagnais se transmet par la tradition orale et retient deux types de récits, les Atnogun, qui sont des récits mythiques, des légendes, et les Tobadjemun, des témoignages d'événements vécus. Selon les Tobadjemun, il y a deux grandes époques dans l'histoire montagnaise. La première époque est dite d'avant la farine et d'avant la prière. C'est celle qui précède l'arrivée des Blancs. La deuxième époque, c'est celle d'après la farine, des premiers contacts, de l'influence des Blancs qui se prolonge jusqu'à nos jours. Pour expliquer ces premiers contacts, la tradition orale fait état d'une entente verbale, d'un pacte tacite qui partage les territoires de la côte nord depuis Québec. La côte est réservée aux Français et l'intérieur aux Montagnais. L'époque pré-farine est d'abord celle des premiers Amérindiens d'origine asiatique qui ont atteint l'Amérique il y a environ 50 000 ans par un pont de terre et de glace qui s'est formé dans le détroit de Béring entre la Sibérie et l'Alaska. La Béringie est maintenant un continent englouti. Cette première migration va permettre le peuplement de toute l'Amérique jusqu'au sud. Puis vers 12 000 ans avant aujourd'hui, une deuxième vague de population traverse la Béringie, mais ce n'est que vers 5 000 ans que ses ancêtres des Inuits atteignent les frontières du Québec. Le Québec est en effet recouvert de glaciers, et plus tard, à la fonte de ceux-ci, la vallée du Saint-Laurent est inondée. Les peuples amérindiens se tiennent dans les territoires avoisinant le Québec il y a 11 000 ans. À mesure que le glacier fond, la faune et la flore se développent, ce qui permet un premier peuplement vers 9000 ans. On a répertorié sur la côte nord plusieurs sites archéologiques préhistoriques, c'est-à-dire remontant avant la présence des premiers Européens. Ces sites attestent d'une présence humaine depuis au moins 9000 ans. À Rivière-au-Bouleau, près de cette île, on a mis à jour deux sites qui sont situés à 98 et 90 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. La hauteur de ces sites s'explique du fait que le climat chaud d'il y a 9000 ans fait fondre les glaciers, ce qui a pour conséquence d'élever le niveau de la mer jusqu'à 125 mètres au-dessus du niveau de l'eau actuelle. Les premiers habitants établissent donc leur campement au bord de ce qu'étaient les plages de l'époque. L'écorce terrestre, n'ayant plus à supporter le poids des glaciers, se soulève par rapport au niveau de l'océan. Encore aujourd'hui, le relèvement du continent se poursuit à la vitesse de 50 cm par siècle. Auparavant, ce relèvement était plus accentué. Grâce aux fragments d'outils qu'on y a retrouvés, comme des morceaux de couteau et de racloirs, on peut affirmer que le site le plus élevé et le plus ancien, il date de 6000 ans, était fréquenté par des Amérindiens de l'intérieur, qui chassaient le caribou en petites bandes l'hiver et descendaient vers la côte le reste de l'année. L'autre site, à 8 mètres plus bas et le plus récent, il date de 4000 ans, atteste de la présence d'Amérindiens qui exploitent le petit gibier et les ressources du bord de l'eau. C'est vers l'an 1000 que les premiers Européens auraient fait escale dans nos parages. Ce seraient les Vikings avec leurs drakkars permettant d'affronter la mer. C'est seulement à Lance-aux-Meadows, à Terre-Neuve, que les découvertes archéologiques ont permis d'attester leur présence sur notre continent, où ils n'y seraient restés qu'une dizaine d'années. On y a reconstruit un site illustrant leur type d'habitat. Selon les sagas ou histoires écrites des Vikings, celui qu'on nomme Éric le Rouge est banni d'Islande en 982 à cause d'une accusation de meurtre. En exil, il explore alors les côtes du Groenland. C'est son fils Leif qui part à la recherche du Helluland, le pays des pierres plates, du
du Markland, le pays plat et boisé, et du Vinland, le pays des vignes. Lui et son groupe seraient les premiers Européens à voir les côtes de Terre-Neuve, celles du Labrador et de la Terre de Baffin. On connaît cependant mal leur influence sur les Amérindiens. Les textes et les fouilles nous révèlent aussi que les Basques français et les Basques espagnols viennent dans le détroit de Belle-Île jusqu'à Tadoussac à la recherche de baleines et de morues. Ils arrivent probablement 5 siècles plus tard, vers les années 1500, quelques années avant Jacques Cartier. Jusque dans les années 1700 environ, on compte près de 2000 Basques espagnols dans la seule région du détroit de Belle-Île. Leur présence est attestée par des fours que l'on retrouve à plusieurs endroits le long du littoral, comme celui-ci à Red Bay, au Labrador. On y a découvert les vestiges d'une embarcation de Basques espagnols qui aurait fait naufrage en 1565. Le galion provenant d'Orillo, en Espagne, faisait alors escale à Red Bay pour prendre un chargement d'huile de baleine. Habiles à se faire des relations aussi, les Basques se seraient liés aux Micmacs qui les aident pour la fonte du gras de baleine. Quant aux Basques français, ils se rendent jusqu'aux Escoumins. Nous nous trouvons précisément ici, là, qui... Pour l'instant, c'est mon chalet, ma propriété. Mais c'est un site historique décrit depuis 1603-1607 par Champlain et l'Escarbot. L'endroit par excellence pour la pêche, la chasse aux baleines par les Basques. Un peu de distance, sur ce petit promontoire, eh bien, il y avait le guetteur. L'homme préposé, la surveillance, signalait une baleine et jetait la dame. Et aussitôt l'équipage, dans des grandes chaloupes pointues aux deux bouts, là, qu'ils appelaient des pirogues, s'en allait au-devant de la baleine. Il montait toute l'enveloppe, ce qu'ils appelaient l'enveloppe, c'est-à-dire le gras de baleine, avec la peau, il la hissait sur le sommet de la pointe au moyen d'un treuil, et puis là, c'était dépecé. Et puis il y avait un four sur le dessus, là. Et par morceaux, le gras, là, eh bien, était déposé dans des chaudrons. Et le four avait l'ouverture vers le nordais, qui est le vent dominant, pour activer le feu. Ça faisait une huile très pure, qui servait pour l'alimentation, l'éclairage, le reste. Pour les Amérindiens, malgré des contacts parfois belliqueux avec les pêcheurs pour les ressources de la mer, c'est encore l'époque pré-farine. Le principal groupe, les montagnais, s'habillent, se logent et se fabriquent armes, ustensiles et moyens de transport, à même la forêt et les animaux. Ils exploitent l'intérieur de la côte. Plusieurs se joignent aux grandes chasses collectives de caribous au-delà de la rivière Georges. Ils chassent aussi le petit gibier, castor, porc-épic, gibier d'eau. Ils prennent du poisson et le phoque en grande quantité. Les Micmacs de la Gaspésie traversent cependant sur la côte pour le saumon qu'ils disputent aux montagnais. Inuits et montagnais s'affrontent aussi pour le territoire côtier entre 1500 et 1700. Les Inuits seront refoulés plus au nord. Ainsi, il existe déjà tout un réseau de relations internationales. Mais les montagnais ont aussi des relations avec d'autres peuples, parce que les montagnais, c'est un peuple indien. Il y a beaucoup d'autres peuples. Alors, avec les Inuits, avec les Micmacs, sur la rive sud, les montagnais vont jusqu'à Québec. À ce moment-là, ils ont été refoulés dans l'est du Québec. Mais à l'époque, ils vont jusqu'à Québec et ils circulent de chaque côté du fleuve. Ils vont rencontrer les Abénakis, les Etchemins, les Micmacs. Les Micmacs viennent chez eux parfois aussi. À l'intérieur, sur le nord, ils rencontrent les Algonquins, ils rencontrent les Atikameks, ils rencontrent peut-être les Cris. Il y a aussi les Iroquois qui sont à Québec et à Montréal qui pêchent le marsouin. Ça les amène jusqu'à Tadoussac, semble-t-il, peut-être Blanc-Sablon. Il y a une espèce de réseau très intense de relations internationales impliquant à la fois des peuples autochtones et des peuples européens qui sont ici bien avant les découvertes officielles. Le mot Nouvelle-France apparaît en 1524. François Ier, roi de France, est alors à la recherche de territoires inédits et de royaumes exotiques.
c'est son explorateur, le Florentin Jean Verrazano, qui baptise cette terre neuve Nouvelle-France. 10 ans plus tard, Jacques Cartier prend officiellement possession des terres d'Amérique du Nord en plantant une croix à Gaspé. La Nouvelle-France est alors créée. Et comme une sorte d'héritage, une série de chansons nous rappelle cette époque, en particulier celle des écoliers pendus trouvés à Grande-Bergeronne. Nous sommes trois gentilshommes de Paris. En revenant dans notre chemin, faire rencontre de trois dames de Paris. Par ma foi, mes gentilshommes, ne passez point par ici. Si vous passez par la ville, dans la prison vous serez mis. Ils ont passé par la ville, dans la prison y ont été. Ils ont passé par la ville, dans la prison y ont été. La 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 la. C'est cependant à Samuel de Champlain que revient le titre de père de la Nouvelle-France. Ses récits nous racontent qu'au cours des 28 ans qu'il passe en Nouvelle-France, il se donne une triple mission, coloniser, explorer, évangéliser. Sur la côte nord, la présence de Champlain est attestée entre autres par son séjour à Tadoussac, dont il dit « un beau pays où il y a de bonnes terres ». Ce sera le premier établissement permanent de France en Amérique, et ce dès 1600. À Tadoussac, Champlain, dont on voit ici le plan qu'il en a dessiné, fait tabagie avec les montagnais, c'est-à-dire qu'il négocie des fourrures. Cette festivité souligne donc un traité d'alliance au cours duquel on fume du tabac que les montagnais se procuraient auprès des Pétains. Quant aux montagnais, ils ont leur propre version de l'arrivée officielle des Blancs à l'endroit qu'on appelle Québec et de la dépossession qui s'en suivit. La première fois que les Indiens ont connu les Blancs, c'était à Québec. Les Blancs sont arrivés à l'endroit qu'on nomme aujourd'hui Québec. Là, les Indiens les invitèrent à débarquer en disant « Kepakwa », qui signifie « débarquer ». Les Blancs comprirent que l'endroit s'appelait Québec. Depuis ce jour, l'endroit porte ce nom-là. Les Blancs ne comprenaient pas notre langue. De toute façon, ils débarquèrent à cet endroit, et là, ils commencèrent à discuter avec les Indiens en leur disant « Si vous nous donnez cette place-là pour bâtir une ville, nous allons en échange faire pousser du blé pour vous. » Le Blanc dit encore à celui qui était le chef dans ce temps-là « Nous essaierons de cultiver de blé pour toi. Tu t'en nourriras. Ainsi, tu n'auras jamais plus de problème de famine. » Et le chef indien accepta. Mais le Blanc lui dit encore « On te donnera de la nourriture, mais tout ton territoire sera endommagé. Et plus tard, d'autres Blancs viendront occuper ton territoire. Et toi, tu devras demeurer près de la mer. Si tu n'acceptes pas, tu seras très pauvre. » Et l'Indien accepta l'expérience de vivre avec la farine. La période farine s'amorce donc avec la Nouvelle-France, dont le territoire est immense à son apogée en 1712. Elle s'étend de la baie d'Hudson jusqu'en Louisiane. Elle englobe Terre-Neuve et les Grands Lacs, en fait partout où on peut acheter des fourrures. Quant à la côte nord, à l'ouest de la Moisie, elle fait partie du domaine du roi où la traite des fourrures est contrôlée par le gouvernement, sauf une seigneurie aux 1000 vaches. À l'est de la Moisie, on retrouve la seigneurie de Mingan, offerte à Louis Joliette pour avoir descendu le fleuve Mississippi. Cette configuration est celle du découvreur lui-même. Des concessions de chasse et de pêche sont aussi données à des privilégiés du régime au nord et tout au long de la Basse-Côte. À Brador, on a mis à jour les fondations du poste de Courte-Manche, qui s'est vu confier une concession pour la pêche au loup marin et à la morue. Il traite aussi les fourrures. Vers 1740, il y a déjà eu jusqu'à 100 personnes, une vingtaine de bâtiments comprenant maisons, entrepôts, écuries. On y récoltait un peu d'orge et d'avoine.
Dans le domaine du roi, les postes de traite attirent les montagnais vers la côte. Les missionnaires jésuites en profitent pour tenter de les évangéliser. Mais la Nouvelle-France tombe définitivement sous les canons des Anglais en 1759. On brûle des postes de traite. Par la suite, la compagnie de la baie d'Hudson y établira ses propres comptoirs, comme ici, à cette île. 4 ans plus tard, par un décret qu'on nomme la Proclamation royale, le régime anglais redistribue le territoire en 2 gouvernements. À l'ouest de la Saint-Jean, le territoire relève du gouvernement du Québec et à l'est, le Labrador, du gouvernement de Terre-Neuve. Les terres de l'intérieur sont réservées aux Indiens où aucun établissement permanent n'est permis par des noms autochtones sans l'approbation royale. Les activités commerciales continuent principalement avec 2 compagnies. Sous le régime anglais, différents consortiums accaparent les activités commerciales de la côte nord dans le domaine de la traite des fourrures et des pêcheries. On peut mentionner entre autres la compagnie du Labrador. À partir de 1821, la compagnie d'habitation acquiert le monopole des activités de traite sur l'ensemble de la côte nord. Et à ce moment-là, elle intensifie ses activités d'échange des fourrures et ce qui amène les montagnais à pratiquer davantage le piégeage et à délaisser en partie les activités de subsistance. Entre autres, en ce qui concerne le piégeage des petits animaux à fourrure, comme le castor, la loutre, l'hermine, etc. Si on prend l'exemple du poste de Mingan en particulier, les chasseurs demeurent plus près du poste pour venir régulièrement échanger de la fourrure. Par ailleurs aussi, pendant les mois d'été, la compagnie de la Védution engage des montagnais pour pratiquer la chasse aux loups marins et aussi pour traiter le gras de loups marins en le transformant en huile vendue par la compagnie de la Védution. C'est donc avec l'implantation de la compagnie de la baie d'Hudson que les montagnais intègrent le système commercial. Jusque-là, les montagnais vivaient de façon autonome, chassant selon leurs besoins. Ils entrent maintenant dans l'ère de la dépendance économique. C'est l'époque de la farine qui se perpétue. Dès ce moment, la trappe pour le commerce des fourrures devient essentielle, alors que les activités de subsistance restent secondaires. Être trappeur, à ce moment-là, c'est dépendre du système de crédit instauré par la compagnie qui fournit tout le nécessaire aux familles avant le départ vers l'intérieur. C'est troquer des pelleteries pour des aliments nouveaux, comme le thé, le sucre, et des articles comme la toile, les armes et des outils. Plus tard, c'est vendre des peaux contre de l'argent. C'est passer d'un système économique autosuffisant à une spécialisation poussée, qui oblige à acheter tout ce que l'on a cessé de produire, avec sa contrepartie, l'esclavage des prix et la dépendance envers les compagnies et les gouvernements. À Romaine, nous avons visité la réserve en compagnie de l'agent, qui nous servait en même temps d'interprète. L'agent s'intéresse au bien-être des Indiens, prend note de leurs besoins, veille sur leurs droits et leur sécurité dans leur commerce avec les Blancs. Pour le compte également du gouvernement fédéral, un médecin procède au relevé de leur santé et au dépistage de maladies décimantes. Parallèlement à la présence de la baie d'Hudson et du gouvernement, celle du clergé est déterminante. Les pères Oblats prennent la relève des jésuites et des pères séculiers et viennent rejoindre les marchands de la compagnie dès 1844. Les plus connus, les pères Arnaud et Babel, s'installent donc à Betsiamit pour faire de leurs ouailles de vrais chrétiens. Ils tentent de faire disparaître les superstitions. Ils leur bâtissent des églises. Voilà ce qu'écrit le père Arnaud dans son journal de 1869. Nos sauvages étant simples, d'une intelligence bornée, il était difficile de leur faire comprendre les choses spirituelles. Il fallait d'abord parler à leurs yeux. Ce ne fut qu'après qu'ils eurent vu la sainte maison de prière avec les tableaux, son autel, la croix, les images, qu'ils commencèrent à comprendre et qu'ils prirent goût aux choses de Dieu. Le père Arnaud tente vainement de les sédentariser par l'agriculture. Il essaie de les convaincre de vivre la vie heureuse et tranquille des Blancs, ce à quoi le chef de l'époque, Louis, lui répond. Le grand esprit nous a donné la vie avec des inclinaisons différentes. L'homme blanc trouve son bonheur à rester toujours à la même place, cultiver le même champ. Regarde ces outardes qui passent sur nos têtes. D'où vient qu'elles ne restent ici que quelques semaines, puis elles partent et n'en restent pas une seule. Ainsi, nous autres enfants des bois, créés par le grand esprit à être voyageurs ici-bas et à vivre de chasse, nous sommes poussés malgré nous dans la forêt pour y chercher notre nourriture.
Pendant que je travaille ici avec toi à bêcher la terre, mon esprit est loin dans les terres. Je considère l'état de l'homme blanc malheureux parce qu'il est condamné à vivre toujours à la même place. Pour moi, je mourrais si je ne pouvais plus aller dresser ma cabane, tantôt sur le sommet des montagnes ou au fond des vallées, sur le bord des lacs ou des rivières. Le nomadisme dont parle le chef Louis est cependant en butte à de nombreuses difficultés. D'abord parce que la compagnie de l'abbé d'Hudson, qui exerce un monopole sur la traite des fourrures et la pêche au saumon, pense à regrouper toutes ses opérations de la haute côte à Betsiamit. Et puis, en 1842, le gouvernement octroie des permis de colonisation et d'exploitation des forêts. Les compagnies coupent le bois pour les scieries et les colons s'installent. Tout ce développement chasse les montagnais. Et il y a la question cruciale des rivières à saumon. Surexploitées par les nouveaux arrivants, louées sous forme de privilèges pour la pêche commerciale, les rivières à saumon deviennent aussi l'apanage des nobles anglophones, américains ou membres du gouvernement pour la pêche sportive. Les Amérindiens sont alors privés de leur nourriture d'été la plus importante. Entre autres, à l'hiver 1844, trois familles montagnaises meurent de faim et de misère. Les montagnais de Tadoussac, des Escoumins, des îles Jérémie, de Betsiamit et de Godbout amorcent alors une série de pétitions qu'ils adressent au gouvernement. Dans ces pétitions, rédigées avec le concours des missionnaires Oblats, les montagnais demandent qu'on leur réserve les terres du bord de l'eau où ils ont l'habitude de se rassembler et qu'on leur maintienne leurs droits de chasse et de pêche sur leur territoire. Mais en 1860, le gouvernement crée la réserve de Betsiamit, la première de la côte nord. Elle est en fait la réponse du gouvernement à ces cinq pétitions de montagnais qui demandaient plutôt de conserver intact leur mode de vie. Ailleurs sur la côte, la création des réserves dans les années 50, soit un siècle plus tard, devient un réflexe automatique. Si j'ai besoin de ton terrain, je vais te prendre et je vais te mettre ailleurs. Ou bien je vais te tuer, comme on a déjà fait dans certaines parties de l'Amérique, ou bien je vais te mettre dans une asile psychiatrique, ou bien je vais te mettre dans, dans une prison. Il y a cette dimension-là dans la réserve. Mais c'est un mouvement général, c'est-à-dire que dès que des fonctionnaires se mettent à fabriquer un système, ils s'appliquent de façon aveugle. Alors il y a des endroits où il y a des réserves qui sont apparues, où il n'y avait pas de raison immédiate de développement de richesses naturelles. Peut-être des raisons larges, mais je pense à une réserve comme la romaine. Quand on a créé la réserve elle-même, c'est parce que tout le système de la réserve était en place et que tous les agents fonctionnaient. Si bien qu'on a créé la réserve de la Romaine, pas parce qu'on voulait aller chercher du bois, c'était pas Haïti qui était là, c'était en 1956, c'était simplement le principe de la sédentarisation. C'est parce que là, il y avait là un missionnaire très entreprenant, qui est mes bons amis, que je connais bien, qui avait envie d'évangéliser les Indiens. Et les Indiens, pour évangéliser ça, ça a toujours été le problème depuis les Jésuites. Et il faut les avoir sous la main. Or, les Indiens, peu à peu, ont été appelés à prolonger leur séjour estival sur le bord de la mer, là où il y avait une population blanche, qui a commencé à s'étonner de voir les Indiens s'attarder si longtemps, passer le mois d'août, dans des tentes sans installation sanitaire. Et alors, on a mis en branle le processus, tout était là. Il y a des fonctionnaires à Ottawa qui étaient faits pour ça. Il y avait des lois, il y avait tout, des règlements, il y avait des constructeurs de maisons. Alors, des réserves sont apparues dans ce courant-là. Mais de façon générale, bien sûr, on peut résumer en disant que les réserves apparaissent sous diverses formes à partir du moment où les territoires sur lesquels vivent les Indiens sont requis pour des fins de développement industriel. Et aussi pour travailler de façon intense à la déculturation de ces peuples. Ça, c'est rien d'inventé. C'est écrit noir sur blanc dans la loi sur les Indiens, voté par le Parlement canadien et qui a été refondu à 6 reprises entre 1876 et 1951. La création des réserves s'est donc accompagnée d'un mouvement plus général d'assimilation. En particulier, l'influence du clergé a été déterminante. Les missionnaires font vite des analogies entre le catholicisme et la mythologie montagnaise, puisque dans la religion des montagnais, on fait aussi état d'un dieu, d'une sorte d'esprit des animaux qu'on nomme Manitou. Les missionnaires le transformeront en bon dieu. En plus, dans la mythologie montagnaise, il existe aussi un géant cannibale qu'on nomme Ajun. Ajun se rassasie de chair humaine quand il souffre de faim.
Ainsi, pour le Montagnais, subir la famine, c'est risquer de se transformer en Adjun et de devenir ce géant cannibale qui mange les siens. Le personnage d'Adjun, qui inspire tant de craintes, sera récupéré par les missionnaires. Ils l'associeront avec le diable et s'acharneront à le faire disparaître, lui et toutes les coutumes originales et distinctives des Montagnais. Le missionnaire a baptisé mon grand-père, puis il lui a donné le sacrement du mariage. Comme mon ancêtre vivait avec quatre femmes, le père à la voix claire, le père Arnaud, lui a demandé quelle était la femme parmi les quatre avec laquelle il avait vécu en premier. Mon grand-père lui désigna sa première femme. Alors le missionnaire lui ordonna de se marier avec cette première femme. On lui a fait choisir sa première femme. Mon grand-père a dû renvoyer les trois autres. Mais ce n'était pas seulement mon grand-père qui avait plusieurs femmes. D'autres montagnais pouvaient en avoir une ou deux. Mais le missionnaire les a tous obligés à prendre la première femme avec laquelle ils avaient vécu. Les montagnais cantonnés dans les réserves sont aujourd'hui marginalisés. Leur résistance à l'assimilation leur a permis jusqu'ici de vivre une relative autarcie. Dans un pays sans frontières, ils restent peu affectés par les bouleversements de l'économie. Comme pendant la crise de 1929, alors que tous vivaient dans la misère, les montagnais connaissaient, grâce à la vente de leur fourrure, une relative prospérité. Autrefois, quand les montagnais descendaient du bois avec leur fourrure, ils pouvaient acheter des affaires chez les Blancs. Car les Blancs, pendant l'hiver, s'étaient fait du bois de chauffage et l'Indien pouvait s'acheter une corde de bois ou deux. Et puis les femmes blanches travaillaient chez les femmes indiennes. Elles faisaient du pain, cousaient des vêtements pour les enfants avec leur machine à coudre. C'était une façon pour les Indiens de venir en aide aux Blancs qui pouvaient ainsi se faire un peu d'argent. «